À savoir que chaque numéro, chaque variété, elle a son numéro. Bon, ici c'est le 300, elle s'appelle Corse. Et devant, j'ai mis un petit numéro. Ce petit numéro, c'est un codage qui correspond pour moi en fait. Les numéros 1, c'est les VIP. Les numéros 2, c'est des variétés avec qui j'ai pas de soucis. Les numéros 3, par exemple, c'est des variétés nouvelles qu'on avait eues l'année dernière, mais dont je n'avais pas pu avoir de plants parce que j'avais très très peu de graines et donc il y avait très peu de plants. Donc là, je les ai remises en numéro 3. Les numéros 4, c'est des variétés nouvelles de cette année. Les numéros 5, enfin, il y a le détail là-bas dans le numéro 1. Et les numéros 9, là, justement, c'est les numéros que j'avais mis là, parce que je savais que je risquais d'avoir des problèmes. Et effectivement, il y a certaines variétés ben, où il y a des problèmes, il n'y a rien qui a poussé. Donc dans ce cas-là... Vous avez perdu de la semence quand vous avez ça, non? Alors ben là, oui. Pour cette variété-là, oui. Donc à moins que j'ai pas mis toutes mes graines et qu'il me reste quelques-unes et que je retente l'année prochaine et qu'il y en ait bien une qui veuille... En même temps, il suffit d'une graine et puis ça partit. Quoi, hein. Bon. Mais maintenant, justement, donc le pot, il est peut-être pas... Moi, j'en ai qui ont mis 3 semaines presque à l'année. Il y a des variétés... Aujourd'hui, c'est une journée fort, fort importante. On a plein de bénévoles qui sont venus repiquer les tomates que nous avons semées au mois de mars, 300 variétés, et qui vont être présentées à la fête de la tomate au mois de septembre à Averskerk. Chers amis visiteurs, il y a quelques repas disponibles. Vous pouvez pas tout vous proposer de vous accuser afin de vous envoyer des commandes. Chaque mèche coûte 10 euros. À votre prochaine mèche, la visitation interdite est à votre tour. Les villages sont en train de se faire en arrière. Cette place est une première hôtel. Une association qui est également à Averskerk, comment s'appelle cette association? Jardin de tomates. Depuis combien d'années venez-vous sur Averskerk? La deuxième année. Deuxième année, alors, cette association est basée où? À Landiras, dans le beau pays du Sauternes. Alors, il faut nous expliquer là, un peu de géographie. Les bons vins de Sauternes. Les bons vins de Sauternes. Et nous avons un représentant de la région de Bandol, d'excellents vins aussi. Voilà, alors donc nous avons également Bruno, qui fait la pub pour les tomates et puis également le vin, parlons-en. Et Philippe, c'est champagne. Et Philippe, pour la Picardie. Alors donc, combien de variétés de tomates, Pascal, pouvez-vous nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a environ 1100 variétés. 1100 à peu près. Tout à fait. Voilà, donc Jackie donc, est en train de filmer toutes ces variétés de tomates. Aujourd'hui, donc, vous proposez au grand public de découvrir la tomate, de la goûter et également d'apprendre à faire des semis, à planter, à jardiner. Tous les conseils sont là. La plupart des questions traitent sur les maladies surtout. Parce que les gens qui viennent ici savent cultiver déjà la plupart. Donc ils viennent avoir des conseils pour... sur le goût, sur la résistance, surtout. Donc le traitement, comment traiter d'une façon bio, c'est ça? Oui, surtout. D'accord, alors le petit renseignement rapide que peut nous donner peut-être Bruno, on traite avec quoi si on veut rester bio? En principe, on ne traite pas, déjà. Donc on utilise d'abord des engrais organiques, ça c'est la base dans le sol, au lieu d'utiliser des engrais chimiques. Après, le seul produit au point de vue traitement, la bouillie bordelaise peut être utilisée dans la culture biologique. Eh bien, nous sommes avec Julien, vice-président du PGH, en attente de pouvoir décerner le prix de la meilleure tomate. Mais aujourd'hui, nous voulons des chiffres. Donc, Julien, le record à battre, je crois que c'est 3400 entrées. Oui, tout à fait. 3400 entrées. Et le nombre de bénévoles?
Alors le nombre de bénévoles, parce qu'il y a un comité d'organisation qui organise cette fête de la tomate, c'est 90 bénévoles, de très nombreuses personnes parmi nos 670 membres actuels adhérents de l'association PJH. D'accord. Alors aujourd'hui nous avons un public toujours fort nombreux. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie, il faut qu'on adhère en 2016 au PJH? Pour toi vraiment la petite note qui nous pousse à adhérer. Alors ce qui pousse à adhérer, parfois moi je donne une astuce, il faut faire venir les enfants qui n'aiment pas les tomates, parce que là, avec la joie des couleurs, ils vont forcément découvrir, et pour eux et pour leurs parents. Donc, pour être adhérent, avec les enfants, par exemple, nous faisons des cours de jardinage tous les samedis. Ça leur permet de découvrir le goût de leurs fruits et légumes qu'ils vont ramener à la maison. Ça fait discuter entre les générations pour trouver la bonne recette, parce qu'effectivement, il y a certains légumes qu'on n'ose pas cuisiner. Et là, par exemple, c'est magique parce qu'on va discuter simplement dans la famille sur les bonnes pratiques, des choses qu'on a oubliées un petit peu. Et la grand-mère va trouver une bonne astuce, un légume très bon à faire en soupe ou autre chose, une très bonne recette. Voilà, par exemple, pour être adhérent, parce que tout ça est inclus dans le prix d'une simple adhésion pour une année complète. Donc c'est 10 euros pour une famille et toutes les choses qu'on fait en complément sont entièrement incluses. Donc c'est d'abord de l'échange et de la convivialité. Et tout se déroule à Verskerk. Oui, voilà, effectivement. Dans une salle, le samedi matin, on vient tranquille en famille. D'accord. Voilà. Il y a des conférences qui peuvent être en salle, ou il y a également les jardins d'ermites, qui est un terrain de Verskerk sur lequel nous avons un verger, un rucher, nous faisons également un potager. Voilà. Donc vous voyez, le PJH, vraiment, c'est complet et c'est en famille qu'on découvre ce légume qui est finalement le plus convoité et le plus aimé. C'est un fruit même. Et c'est un fruit, bah oui. Zut. Merci. Eh bien, le PJH cette année a le grand plaisir d'accueillir la famille Personne qui vient donc de Bruges. Donc nos amis, les Belges sont là et il y a une collection de tomates magnifique, donc le petit-fils, le papa et le papy, à qui je donne la parole pour savoir comment s'est constituée cette magnifique collection. La collection, c'est le travail pur de Julius. C'est lui qui a commencé ça il y a 2 ans. Il fait l'école hôtelière, mais il est vraiment pris par les tomates et par la cuisine, et par les goûts de tomates, c'est ça. Il y a 2 ans, il a commencé sur 1 mètre carré, et voilà le résultat. D'accord, donc cette passion, t'es venue en regardant dans les livres, ou est-ce que tu as rencontré un grand chef qui cuisinait souvent la tomate? Il a travaillé pendant 1 mois dans un restaurant 3 étoiles à Bruges, où on faisait vraiment la cuisine, la haute cuisine aux légumes. Ça s'appelle le Hertogian. Et c'est 3 étoiles, Michelin, à Bruges. Et là, il a travaillé 1 mois pendant ses vacances. Et là, il a été séduit par les tomates, les légumes, les salades et tout ça. Voilà, donc en fait, la prise de parole est surtout par le papy, parce que Julius apprend la cuisine, mais également apprend le français. Voilà. Voilà, tu connais un petit peu le français. En tout cas, merci, on espère vous retrouver au fil des années. Bon vent.